Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Nina. Bonsoir cher Philippe et bonsoir à vous. Donc on se retrouve de nouveau tous les 15 jours, je vous le rappelle, tous les mercredis soirs à 18h45, donc sur les réseaux sociaux, entre autres YouTube, Twitch, etc. Donc, nous allons faire ce soir un entremets citron-bergamote. On est au printemps, donc on va laisser un petit peu le chocolat Pâques est passé. Noël, c'est encore un peu plus loin. Là, on va aller vers un peu de fraîcheur. On va utiliser ce soir un nouveau moule, qui est le moule Alf Limon. Que je vais vous montrer tout de suite ici, à la caméra. Donc ça, c'est l'emballage. Vous avez le moule qui est ici, qui est d'ailleurs juste en dessous, qui est gris. Donc moule en silicone, qui va nous permettre de faire donc des demi-citrons. Et vous allez voir, c'est un moule un petit peu technique, dans le sens où sa conception veut qu'il faut faire... La recette d'une façon un petit peu précise, pas n'importe comment, mais le résultat est quand même très bien au final. Donc cette recette sera composée d'une gelée de citron qui va nous permettre de faire les segments d'agrumes en fait. Une fois qu'on aura démoulé le citron, comme si on avait coupé un citron frais. Ensuite, il y aura à l'intérieur un insert composé d'un confit de citron, également d'une mousse lemon curd. Un sablé breton qui va nous servir à faire un sablé reconstitué, donc pour faire la base de notre entremets. Également une mousse ivoire bergamote, donc c'est une mousse avec la base de chocolat blanc et un petit peu de bergamote parce que c'est un mélange citron-bergamote. Et un flocage jaune, donc flocage spray velours jaune qu'on mettra à la fin. Et on va vous montrer comment réaliser un petit décor avec ce tapis relief en forme de feuille. Voilà, pour accompagner donc notre petit citron, on va faire des petites feuilles en pâte à tuiles qu'on va cuire, c'est très facile à faire, vous allez voir, et qu'on cuit rapidement au four et qui accompagneront donc les entremets. Donc ce soir, on est sur des entremets individuels et on va en faire 8. On va commencer tout de suite par la gelée de citron. Pour la gelée, il nous faut du jus de citron, donc soit de la purée ravie fruits qu'on propose sur le site, soit du jus de citron pressé, c'est pareil, un petit peu de sucre, et un petit peu de gélatine, dans masse de gélatine que vous avez fait hydrater un quart d'heure minimum, et du sucre. On va faire chauffer donc notre purée de citron. L'appellation purée peut porter un peu de confusion. C'est l'appellation qu'utilise donc la maison Ravi Fruits sur ses emballages. Mais ce n'est pas une purée, ce n'est pas épais, c'est un jus. Oui, et c'est la même chose qu'on retrouvera pour la plupart des agrumes. Ne vous attendez pas à avoir une purée épaisse. Ou pour le fil de la passion également, c'est un jus. On a la clémentine, c'est un jus, non pas une purée. Voilà. Contrairement à la mangue, à la fraise, à la framboise, qui c'est vraiment des purées, c'est plus épais. Très bien. Donc, on fait chauffer. Ça, on ne cherche pas obligatoirement à avoir l'ébullition, juste à avoir la préparation chaude. J'y mets le sucre dès le départ, de façon à bien le dissoudre. Vous voyez, la quantité de sucre est vraiment très très petite. On cherche quand même à garder l'acidité du citron. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop le citron, vous pouvez quand même faire la recette. C'est pas quelque chose qui va être extrêmement acide en bouche, qui va être quand même assez équilibré. Donc c'est un dessert intéressant. C'est pas comme certaines tartes de citron qu'on pourrait réaliser, où la crème de citron est vraiment très 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 très, très forte. Ou alors quasiment pas forte du tout, et là on est un peu déçu. Il faut trouver le juste milieu. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu acide, donc chacun voit ça à sa façon. Donc ici vous voyez, ça fume très légèrement. J'ai stoppé le feu. Je ne cherche pas à obtenir l'ébullition. Déjà pour ne pas dénaturer le goût du citron. Et là je vais y rajouter donc ma gélatine. Donc qui a été hydratée, donc qui est... on appelle ça la masse de gélatine, et qui va fondre donc au contact du citron chaud, du jus de citron chaud. Voilà, je mélange bien. Et là, on est déjà sur la première préparation qui est prête et qu'on va pouvoir utiliser. Qu'on va venir donc déposer à l'intérieur du moule silicone qui est ici. Mais très délicatement, c'est pour ça que je vais utiliser un petit entonnoir. Alors vous pouvez le faire éventuellement, je te mets ça là, oui. Vous pouvez le faire éventuellement avec une poche pâtissière, en faisant un tout petit trou au bout, mais dans ce cas-là, vous attendez que la préparation soit refroidie. Refroidie, ça ne veut pas dire gélifiée,
Ça veut dire qu'elle soit, qu'on puisse toucher la poche sans se brûler les mains, en fait. D'accord. Là, je suis pressé, donc je vais utiliser l'entonnoir. Donc, entonnoir piston, c'est-à-dire que j'ai un petit bouton sur le haut de l'entonnoir pour ouvrir le fond de l'entonnoir et permettre au liquide donc de s'écouler. Alors, il y a plusieurs étapes dans cette recette, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas des étapes qui sont compliquées. C'est une recette non. qui est accessible vraiment à qui peut se faire dans le temps, étalée dans le temps. Donc, je vous remontre le moule. Regardez bien à l'intérieur des empreintes. Nous avons ici deux cavités. Et c'est dans ces cavités qu'on va y mettre donc ce jus de citron gélifié. À savoir que si on déborde, c'est-à-dire que si le jus passe sur le côté, ce n'est pas très grave. Il faut essayer d'éviter de le faire. Mais si on a une goutte ou deux qui dépasse, ça va vraiment jouer sur l'esthétique de l'entremets au démoulage. Donc on pourra, une fois que le jus sera congelé, le retirer délicatement avec une pointe de couteau ou un petit piqueur en bois, enlever vraiment la partie qui sera pas bien, en fait. Donc je prends mon entonnoir et je viens remplir les cavités en pressant tout doucement. C'est liquide comme de l'eau, donc ça s'écoule facilement. Et je remplis donc les tranches de citron. Alors, peut-on remplacer la gélatine par de l'agar agar, nous demande Noah. Oui, on pourrait, tout à fait. D'accord. Pour ceux qui se posent des questions concernant l'utilisation des différents gélifiants, je vous invite à repartir voir une de nos premières vidéos de live en binôme. On expliquait vraiment l'usage de chaque gélifiant en fonction de ses particularités, donc la pectine, la gélatine, l'agar agar, etc. Donc n'hésitez pas à repartir la voir. Il faudra aller assez vite avec l'agar agar parce qu'il a une gélification qui est assez rapide lorsque les propriétés de l'agar agar sont activées. Donc après une cuisson, c'est sûr qu'il faut s'en servir très rapidement, sinon l'agar agar risque de se solidifier dans l'entonnoir ou dans la poche. Donc ici j'ai pris un petit pic en bois et je vérifie, bon apparemment tout s'est bien déroulé, mais si vraiment vous avez votre purée de citron qui n'a pas rempli toute la cavité, avec le pic en bois, vous faites circuler le produit de façon à ce que ça vienne vraiment remplir toute la partie tranche de citron. Voilà. À ce stade, vous pouvez le laisser gélifier tranquillement à température ambiante sans trop bouger la plaque parce que ça a tendance à pouvoir déborder facilement vu que les rebords sont très fins. Et lorsque c'est gélifié, vous le mettez au congélateur. Très bien. Bon, nous, pour ce qui nous concerne, on va le mettre de côté ici. On en a déjà un qui nous attend au congélateur pour la suite de la recette. Maintenant, nous allons faire un confit de citron. Non, je vais reprendre ma plaque. Alors, je me mets sur le côté comme ça. Non, bouge pas. Je vais te contourner, pas de problème. Alors, Charles-Henri nous demande, si on a un moule sans cavité, comment faire pour avoir, par exemple, la forme d'un citron? On peut le gratter ou peut-être le découper? Si on veut vraiment avoir la forme du citron, il faut avoir ce moule-là. C'est difficile d'avoir un citron avec une forme qui ne ressemble pas à un citron. C'est je pense qu'il parlait plutôt des reliefs aussi, la moule qui a la même forme, mais pas les cavités pour faire la gélification de citron. Mais il faudrait voir le moule qu'il a, parce que là, je ne peux pas répondre sans avoir le moule sous les yeux. Mais il y a toujours moyen de... Si vraiment la forme de votre moule n'est pas en forme de citron, et qu'on ne cherche pas à avoir presque un trompe-l'œil, on élimine la partie gelée de citron, donc qui sert à faire la finition, et on passe à la recette suivante qui est maintenant, où on va faire l'insert, donc qui comprend un confit de citron et une mousse lemon curd. Donc pour le confit de citron, il nous faut encore de la purée de citron, du sucre en poudre, de la pectine NH et également du citron pour prélever le zeste. Donc j'ai prélevé un quart du zeste à peu près. Bien sûr, vous lavez le citron légèrement sous l'eau du robinet. Vous l'essuyez bien avant de prélever le zeste. Et là, on fait chauffer dans la préparation avec environ 80% du sucre. Et les 20% restants, je les mélange à la pectine.
Alors, Charles-Henri vous répond, il vous enverra la photo du moule par message. Donc, n'hésitez pas, hein, vous aussi, si vous avez des questions, à nous envoyer des mails ou en vous connectant sur un compte meilleurduchef.com, à poser des questions, soit sous le fil de la recette, soit par messagerie interne. On répond toujours. Voilà. Alors, j'ai mélangé mon sucre, les 20% de sucre restant et la pectine ensemble, avant de les incorporer donc à mon jus de citron pour éviter que la pectine forme des grumeaux. Donc toujours ajouter une pectine dans une préparation, mélanger avec un petit peu de sucre. Je vais donc faire chauffer ma purée. Les zestes vont infuser un petit peu et vont donner leur goût. Et lorsque la préparation commence à fumer légèrement, donc il n'y a pas d'ébullition encore, je verse mon sucre et ma pectine en agitant au fouet. Toujours en agitant pour éviter le grumeau et que la pectine et le sucre se mélangent correctement. Et là, je vais augmenter un petit peu la chaleur de ma plaque pour atteindre l'ébullition. Et je vais laisser bouillir pendant une minute pour activer les propriétés donc de ma pectine. C'est rien. Et donc, au bout d'une minute, les propriétés seront activées. Chose qui n'est pas nécessaire de faire avec de la gélatine, mais avec la pectine, c'est primordial, sinon votre gélification ne sera pas réussie ou ne sera que partielle. Donc attention à ça. Donc on mélange bien. Voilà, là je suis toi à l'ébullition et je continue pendant une minute à mélanger. Donc là, une minute pour ce volume de préparation, si on décide d'en faire un peu plus, on va pousser un petit peu l'ébullition. On reste toujours, on va pas en faire 10 litres. Si on double les proportions, on reste toujours à une minute. Si on triple, on reste sur une minute. C'est vraiment si on partait sur une quantité x10, là on serait plutôt sur une 30 à 2 minutes. Très bien. Voilà, mais pendant tout le temps d'ébullition, je mélange. Et ensuite, on va débarrasser dans un sel avec du lait. Alors, est-ce qu'au final, ce sera un entremets très acidulé avec un très fort goût au citron, nous demande Eric. Ça sera au bon goût de citron, mais ni trop acidulé, ni trop peu, comme il faut. Parce qu'il y a quand même la mousse ivoire bergamote qui va venir adoucir le tout. Donc, bien sûr, il faut manger l'entremets avec toutes les différentes couches en même temps, de façon à équilibrer tous les goûts. Et là, vous aurez quelque chose qui va être vraiment très bien équilibré. Donc notre confit de citron est prêt. Il va se gélifier donc en refroidissant. Il a juste pris un petit peu d'épaisseur en cuisant. Et pour éviter qu'une pellicule se forme à la surface, on vient vraiment déposer dessus un papier film et on vient le déposer au contact. Donc je le fais descendre jusqu'à ce qu'il touche le produit. Et lorsqu'il sera refroidi, je retirerai le papier et il n'y aura vraiment aucune matière qui restera collée au papier. On va récupérer vraiment tout le confit. Donc ça, vous le laissez pour l'instant sur la table refroidir. Et lorsqu'il est froid, vous pouvez le mettre donc dans le frigo pour la conservation. Pour notre part, on va le mettre ici derrière. Autre préparation, une mousse lemon curd. Donc là, ça va être le lemon curd, c'est une crème citron. C'est souvent ce qu'on trouve dans une tarte citron meringuée. Et je vais l'améliorer en la transformant en mousse. C'est-à-dire qu'on va y incorporer une crème fouettée. Ça va faire quelque chose de plus léger, de plus doux en bouche. Donc pour la mousse, il nous faut du jus de citron. Bon, on est dans le citron, tu vois, on a du citron dans toutes les recettes, mais avec des dosages plus ou moins forts. Donc on va trouver un équilibre certain. Ensuite, il nous faut des œufs, il nous faut du sucre, il nous faut du chocolat blanc, une masse de gélatine préhydratée. Il nous faudra du beurre, de la bergamote. Alors la bergamote, c'est facultatif, c'est vraiment si vous voulez rajouter ce petit plus. Ici, c'est du sirop de bergamote que vous pouvez trouver sur la boutique et qu'on va rajouter donc dans la préparation. Il nous faudra également un zeste de citron, donc je récupère le restant de mon citron que j'avais ici, et de la crème. Fleurette qui est au frigo, donc qui nous servira pour faire la mousse. Donc cette crème, vous la laissez bien au frais pendant toute la réalisation de
de la préparation. Là, on va faire une cuisson, donc on va avoir une masse chaude et la crème s'incorporera que lorsque la masse sera refroidie. Donc au frigo jusqu'au dernier moment. Donc là, on va commencer par faire chauffer notre jus de citron. Et on va prendre les œufs et le sucre. Et dans un récipient, on va blanchir les œufs et le sucre. En fait, on va faire un petit peu comme une crème anglaise. Sauf que le lait est remplacé par le jus de citron. Donc on a des œufs, on a du sucre. Comme la crème anglaise, on va blanchir donc ces deux éléments ensemble. Je vais y rajouter le zeste, mais ça je vais le mettre dans la casserole directement. Donc environ un quart de citron zesté. Voilà. Donc là je blanchis bien mes œufs, mon sucre. Alors concernant le sirop de bergamote, c'est un sirop qu'on peut réutiliser aussi pour d'autres usages comme les boissons, comme des cocktails. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour un planchage aussi? Voilà. Donc il a plusieurs particularités, des applications différentes. Hein. Peut-être le détendre, il faut le goûter et bien se rendre compte du parfum qu'il a. Et s'il est vraiment très parfumé, on le détend avec un peu de sirop neutre. Mmh. Et si on veut vraiment bien sentir le goût du sirop, ben, on peut l'utiliser naturellement également. Ça, c'est à chacun de voir pour l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, ici, j'ai mon jus de citron qui est donc à frémissement. Je me décale un peu pour qu'on voit mieux, voilà. Je vais verser le tout sur les œufs et le sucre. Je mélange bien. Alors, Sabine nous demande, si je n'ai pas de sirop de bergamote, est-ce que je peux le remplacer par un autre produit? Alors, on pourrait se supprimer carrément. Sinon, il faudrait acheter du jus de bergamote qu'on pourrait trouver en magasin bio, par exemple. Ouais. Ou sur Internet, je vais trouver ce produit-là. Et mettre une partie de jus de citron et une partie de jus de bergamote. Pour équilibrer. Alors, il faut essayer, il faut goûter peut-être 50-50 ou 60-40 les pourcentages. Et ensuite, faire la recette comme si, comme je le fais ce soir. Alors, Axel nous dit, pourquoi du chocolat blanc? Moi, je ne mets pas de chocolat blanc dans ma lemon curd. Est-ce que la recette pourrait aussi fonctionner? Il n'y a pas qu'une seule recette de lemon curd. Heureusement, c'est comme tout. C'est comme les génoises, les crèmes au beurre, les crèmes anglaises, toutes les préparations. Donc, il y a une recette de lemon curd sans chocolat, qui est la vôtre, et que je connais également, que j'utilise dans les tartes citron. Mais là, c'est une crème, une lemon curd avec du chocolat. Et c'est nécessaire d'avoir ce chocolat qui va nous servir de ciment, en fait. Il y a de la gélatine, mais pour ne pas trop gélifier non plus la préparation, on va se servir du beurre de cacao, du chocolat, pour faire tenir l'entremets. Très bien. Donc c'est une variante, mais arrêtez de vous dire dans ma recette de trucs, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas qu'une seule recette qui existe, il y en a des dizaines. Et chaque recette a une petite variante. Et voilà, donc il faut essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est pas on fait cette recette comme ça et pas autrement. Non, c'est normal qu'il y ait des recettes avec des variantes. Alors la bergamote fait pas mal réagir ce soir. Et ça va également adoucir, le chocolat va également adoucir le côté acide. Acidulé ? Oui. Très bien. Alors, est-ce que c'est possible de mettre de l'huile essentielle de bergamote, par exemple ? Alors, si c'est une huile essentielle qui peut être consommée, oui, pourquoi pas, mais attention au dosage. Et donc, aurait-on pu utiliser directement le jus d'un citron bergamote ? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, je parlais de jus de citron, c'est du jus de citron bergamote. Hein. Donc, très bien. Oui. Et pour l'huile essentielle de bergamote, on s'est à doser, à tester, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Commencez par une goutte, goûtez bien, parce que l'huile essentielle, c'est quand même assez puissant. Ouais. Très bien, merci. Donc là, je suis sur un feu assez doux et je cuis en fait à la nappe, un petit peu comme la crème anglaise. La température à atteindre et à ne pas dépasser serait de 82 degrés, si vous voulez vraiment le contrôler avec un thermomètre. Mais sinon, vous le faites vraiment à feu très doux. Il vaut mieux prendre le temps de le faire et que la préparation s'épaississe très légèrement dans le temps, plutôt que de mettre le feu trop fort et d'avoir des œufs brouillants, en fin de compte. D'accord. Donc, pendant toute la cuisson, on mélange sans arrêt.
en essayant de passer la spatule sur tout le fond de la casserole pour vraiment éviter qu'il y ait des zones qui ne soient pas mélangées. Et on va se rendre compte que la préparation va s'épaissir très légèrement, comme une crème anglaise. Alors ça ne va pas devenir épais comme une crème pâtissière, hein, c'est pas ça qu'on cherche, c'est juste une légère liaison. Et un petit indice pour nous dire qu'on approche donc du résultat escompté, c'est que toute l'écume qui est en surface disparaît. D'accord. Donc, dès qu'on voit que la coagulation commence à se faire, se prononcer, on peut retirer la casserole du feu comme je viens de le faire, de façon à stopper la cuisson un petit peu, et je continue à mélanger. Maintenant, si vous avez un petit peu d'œufs qui a coagulé dans la préparation, ça ne pose pas non plus trop de problèmes parce qu'on va mixer tout ça. D'accord. Donc, s'il y a de l'œuf, il ne faut pas que ce soit des œufs brouillés, que ce soit des gros morceaux d'œufs, hein, mais s'il y a des petits grains très, très légers, c'est pas, vous n'avez pas raté la recette, vous conservez quand même la préparation et on va tout mixer pour obtenir vraiment quelque chose de bien lisse. Donc là, je rajoute ma masse de gélatine. Ne l'oubliez pas, même s'il y a du chocolat qui va jouer le rôle de ciment, la masse de gélatine a aussi un rôle. Donc je la mets dans la préparation chaude pour pouvoir bien l'incorporer. Je vais y rajouter le sirop de bergamote. Alors moi, j'y mets 2 cuillères à soupe. Ça, c'est le dosage pour le sirop. Mais si vous avez l'huile essentielle, bien sûr, vous ne mettez pas 2 cuillères à soupe d'huile essentielle. Vous mettez une goutte et vous goûtez. Voilà, il faut que ce soit quand même très léger, assez subtil. Voilà, donc on met 2 cuillères à soupe. Je vais la garder pas loin parce qu'on va la réutiliser plus tard. On mélange à nouveau. Voilà. Maintenant, je vais rajouter mon beurre. Voilà, je mélange pour incorporer le beurre, qui lui va fondre tout doucement dans la préparation chaude. Et ensuite, on va prendre donc le pichet verseur, on va prendre le chocolat, on va mettre au fond du pichet. On va y verser donc notre crème qui est encore chaude. Et sous la chaleur, le chocolat va se mettre à fondre. Donc on va le laisser quelques secondes, une petite minute, dans la crème au citron chaude. Et ensuite, on va tout mixer pour avoir quelque chose de bien, bien lisse. Et là, on aura notre lemon curd. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en cours de recette, comme Véronique, bonsoir. On rappelle que ce soir, on fait un entremets citron-bergamote en trompe-l'œil et que, bien évidemment, vous pourrez revoir le début de cette recette en la regardant en replay sur YouTube, soit directement sur YouTube, soit en passant par la recette illustrée depuis notre site. Donc, on vous rappelle, recette illustrée avec toutes les photos pas à pas et la petite vignette avec le payeur pour revoir la vidéo en entier. Voilà, là, je laisse donc, on appelle ça asseoir les pistoles, c'est-à-dire on les laisse commencer à fondre tout doucement et c'est le mixeur qui va terminer dans le mélange en mixant le restant de pistoles qui seront peut-être encore un petit peu solides et ça va tout mixer et faire quelque chose de très fin et de très lisse. Donc si on a la cuisson du lemon curd qui a été un petit peu trop fort et qui a coagulé de l'œuf, là on va tout réguler et on va avoir quelque chose de très 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 lisse et très très bien. Alors, on mixe pas longtemps, hein. Ça permet également de bien incorporer la gélatine, parce que le fait de mixer, on incorpore la gélatine, on incorpore le beurre s'il y avait encore un petit morceau qui n'était pas fondu, et le chocolat qui est broyé, et on obtient quelque chose de parfait. Tu vas me chercher, s'il te plaît, un bac rectangulaire, oui. Un petit. Voilà, c'est pas la peine de mixer plus longtemps. Donc je vais juste débarrasser ma crème dans ce bac, juste pour obtenir un refroidissement rapide. Cette crème, on va s'en servir ce soir, donc c'est important de pouvoir avoir quelque chose qui soit froid à la maison, vous laisser refroidir tranquillement sur le coin de la table. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici. Ensuite, nous allons faire notre sablé breton. Donc oui. Le sablé, pour cela, on va utiliser le batteur.
Mais on pourrait très bien le faire avec, à la main, sans batteur. Pour faire notre sablé, il nous faut donc du beurre, il nous faut de l'œuf. Alors, qui dit sablé breton dit beurre, donc c'est un biscuit qui est assez beurré, du sucre, de la fleur de sel, de la farine et de la levure. Donc le batteur, c'est le côté facilité, le batteur. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de batteur, il n'y a pas de souci, à la main, avec une spatule rigide. Donc on va prendre une cuve, on va y mettre dedans tous les ingrédients, sans se poser de questions, on les met tous à la fois. Donc l'œuf. Donc on est bien les récipients pour ne pas perdre de matière. Le beurre, c'est du beurre ramolli, donc du beurre à température ambiante. On va mettre donc le sucre, l'œuf aussi, il est à température ambiante. La fleur de sel. La farine, c'est de la farine type 55. Et la levure, pour que le biscuit lève très légèrement à la cuisson. Et là, on va faire le mélange donc à la feuille, pour obtenir notre pâte sablée breton. Alors, pardon. On a CC qui nous demande, pour avoir un repère, à combien de degrés faut-il mettre le lemon curd sur le chocolat? Dès qu'il est réalisé, tant qu'il est encore chaud. D'accord. Il ne faut pas le laisser refroidir. Quand on le met sur le chocolat, c'est quand il est chaud. Il n'y a pas, de température à respecter. On le cuit à la nappe, et donc il est à peu près à 80 degrés, et on le rajoute sur le chocolat. C'est quand on va rajouter la crème fouettée, que là, il va falloir vraiment être prudent et ne pas l'avoir tiède ou chaud. Et donc, pas besoin de filmer au contact non plus ? Non, parce qu'on ne va pas le laisser longtemps. D'accord. Là, je l'ai mis sur une épaisseur très fine pour que ça refroidisse rapidement. Dans 5 minutes, il est froid. Très bien. Et il n'aura pas gélifié, il aura gardé sa texture d'origine. Parce que vous ne le mettez pas au frigo, par contre, sinon il va gélifier, il va se solidifier. Il faut le garder vraiment dans cet état-là. Donc, dès qu'il n'y a plus de farine visible, on accélère un petit peu. On a démarré à vitesse lente pour éviter les projections. Et progressivement, notre mélange va se faire et on va obtenir une pâte. Alors, ce sablé va nous servir à faire la semelle de l'entremets. Bon, la semelle, c'est le biscuit du four, en fait. Et pour apporter du croustillant à cet entremets, on va faire un sablé reconstitué. Alors, ce sablé, ça va être le biscuit breton qui va être cuit donc au four, puis qui va être mixé, broyé en miettes, dans lequel on va rajouter du chocolat blanc. Et tout ça, ça va être étalé au rouleau, puis détaillé à l'emporte-pièce. Et ça va nous faire donc une base croustillante. Très bien. Avec le bon goût de biscuit. Voilà, si c'est nécessaire, on passe un petit coup de maryse au fond du récipient pour décoller les éventuelles matières qui ont un peu de mal à se mélanger avec la feuille. Il y a toujours quelques millimètres de vide en bas, donc le mélange des fois il a du mal. Et si vraiment le mélange ne fait pas bien, on va finir à la main. Donc c'est ce qu'on appelle en pâtisserie frasé ou fraisé. Quand on est pâtissier mais en cuisine, on est plutôt fraisé. Et quand on est pâtissier mais on ne fait plus de la pâtisserie, on est plutôt frasé. Mais c'est le même terme en fait, c'est la même chose. Alors là, donc on était à vitesse 1, vous avez légèrement poussé à vitesse 2. Oui, 2, 3, mais pas plus. Alors, je le dis pour Cécile parce qu'elle aime bien connaître les vitesses de pétrissage. Donc voilà, je vais mettre la pâte obtenue sur le plan de travail. Et on va donc fraiser ou fraser. Je récupère vraiment tout. Donc on a de la matière, de la pâte déjà formée, et on a de la matière poudreuse. Et tout ça, on le rassemble à la main, comme ceci, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits morceaux. Et le dernier geste, ça va être donc le frasage, ou le fraisage, avec la paume de la main, comme ceci. Comme ça, on est sûr que s'il reste des morceaux de beurre, ils sont vraiment mélangés, et on n'a plus qu'à tout rassembler une dernière fois. Et là, notre pâte, elle est prête.
Donc ça fait pas un pâton si gros que ça finalement. Ah non, non. Non, non, on est sur une quantité pour... Encore, on en aura trop. Parce que quand le biscuit sera cuit, on va en prélever 100 grammes. Donc vous aurez un petit peu trop de pâte à sablé breton que vous pourrez utiliser pour faire des sablés et les manger comme, comme voilà, ça. Pour l'heure du thé, voilà. Parfait. On va prendre un papier, deux papiers sulfurisés. On va venir donc déposer ce pâton au milieu. Je commence à l'étaler un tout petit peu avec les doigts. Je recouvre avec la seconde feuille. Et là, au rouleau, je vais prendre des petites règles pour faire une épaisseur régulière. Une épaisseur d'environ 1,5 cm. Mais ça, c'est, je vous le montre, mais vous pouvez le faire sans les règles à la maison. Et je viens étaler. C'est vraiment pour avoir un biscuit qui soit sur une épaisseur régulière. Qui dit épaisseur régulière, dit cuisson régulière. Si j'ai une épaisseur très grosse ici et très fine ici, mais la partie fine va cuire beaucoup plus vite. Et j'aurai en fait un côté trop cuit et un côté peut-être pas assez cuit. Donc, il faut faire attention. Et là, je viens étaler jusqu'à ce que mon rouleau atteigne en fait les deux règles. Je serai sûr d'avoir un biscuit qui sera parfaitement étalé. Avec une épaisseur régulière. Voilà, je balle plus bas. Donc là, on est bien. On obtient ceci. Voilà, on va laisser couvert pour ne pas qu'il sèche à l'air libre. Et on peut... Alors, il y a deux solutions. Soit on le laisse reposer un petit peu au frigo, une petite heure avant la cuisson. Soit on pourrait le mettre à cuire de suite. Moi, j'en ai fait un à l'avance. Donc, tu vas aller le chercher, s'il te plaît, Nina. Oui. Je vais te donner celui-là. Tu vas pouvoir l'amener. Et tu me ramènes l'autre qui est prêt à être cuit. Donc pour la cuisson, j'ai mon four qui a été préchauffé, four ventilé à 180 degrés. Et la cuisson va durer environ 10 à 12 minutes. On va voir, il faut que le biscuit soit coloré en surface. Donc qu'il soit quand même sec, vu qu'on va le broyer par la suite, parce qu'il aura refroidi pour faire notre biscuit reconstitué. Donc il faut pas qu'il y ait de la pâte crue au cœur. Merci. De rien. Donc voilà, notre biscuit breton est cuit, est refroidi et il va cuire. Bientôt cuit. Voilà, donc le four est allumé, préchauffé, je l'enfourne. Voilà, je le mets soit en bas, soit au milieu. Et on va mettre la minuterie, surtout, n'oubliez pas la minuterie, parce qu'on va passer à, on fait d'autres choses et le temps passe vite, on peut vite oublier quelque chose dans le four. Il vaut mieux rajouter 2-3 minutes que d'avoir quelque chose de trop cuit. Pour la suite, le sablé reconstitué. Donc ce biscuit, on va le sortir, on vous le montrera. Mais on va quand même faire le biscuit reconstitué de suite, tout en sachant que j'ai fait un sablé en amont. Un sablé qui est ici, donc, et qui a été déjà broyé légèrement avec les mains. Et on va continuer à le broyer avec un rouleau à pâtisserie pour en faire... vraiment des miettes. Et on va y rajouter donc le chocolat. Qu'on va faire fondre. Est-ce qu'on aurait pu par exemple le passer au mixeur pour avoir... Je cherche pas à avoir une poudre, je cherche à avoir quelque chose de... Ouais, donc il faut qu'il y ait de la mâche. De broyer, oui, mais qu'il soit assez fin. Et en plus, quand je vais rajouter le chocolat dedans, ça va améliorer cette texture, ça va affiner le chocolat, tu vois, ça va un peu, pas l'hydrater, mais le graisser, et on va perdre les morceaux. On cherche pas un crumble non plus, on cherche entre la poudre et entre le crumble. Voilà, donc j'écrase bien quand même. Voilà. On va faire fondre le chocolat donc au four micro-ondes. Donc les deux produits là sont en quantité égale, donc 100 g et 100 g. Donc je vais faire ça au micro-ondes pendant quelques secondes. La fonte se fait par étapes de 20 à 30 secondes. C'est comme quand on fait un tempérage pour justement éviter de brûler le chocolat. Si on le mettait 3 minutes
sans le surveiller, on aurait le chocolat qui va brûler à un moment donné et qui ne sera pas bon à être consommé. Donc, toujours par étapes de 20 à 30 secondes. Si tu as des questions, Nina, n'hésite pas. On a deux Pour l'instant, ils sont tous attentifs. Ils sont sages, ils sont très sages. Donc, pas de questions à venir. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ceux qui nous suivent aussi depuis Twitch. Voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur Twitch via le fil de commentaires. Voilà, je mélange bien et je remets à fondre. Voilà, ensuite, ce sable est reconstitué. On va l'étaler entre deux feuilles de papier. Donc, je peux me préparer déjà. Un petit peu comme le sable breton qu'on a fait juste avant. Et on va l'étaler donc finement. Cette fois, on prendra des règles plus fines. On va être sur, pour ceux qui ont ça à la maison, sur les deux règles violettes. Pour avoir du 2-3 mm d'épaisseur. Vraiment faire une base très fine. Alors, on n'a pas de questions, mais on a des remerciements, chef. Ah. Donc, c'est Stéphane qui nous dit « Merci pour ces moments que vous nous partagez avec tant de passion et de générosité. Grâce à vos précieux conseils et démonstrations, j'ai pu m'améliorer. Donc, merci infiniment pour ce que vous faites. » Et bien, merci à vous pour de nous suivre, de commenter. Surtout, voilà. Parce que si vous n'êtes pas là, nous, on n'est rien. C'est vrai. Donc, merci de nous suivre. C'est très gentil de votre part et merci pour vos remerciements. Et puis, ils sont très fidèles, hein, parce que c'est ça fait des années qu'elle nous suit et qu'elle regarde les vidéos. Toi, tu vois les commentaires quand tu vois les pseudos. C'est ça, moi, je vous reconnais. On n'a pas les visages, on ne sait pas que... Bah après, il y en a certains qui, de temps en temps, nous envoient leurs réalisations, leurs questions, etc. Donc, ou qui viennent des fois récupérer des commandes aussi. Donc, c'est important pour nous. Merci de nous suivre, en tout cas. La fonte progresse bien comme il faut. Alors, vous allez jusqu'à la fonte totale. Hein. Vous ne laissez pas des petits morceaux de pistole non fondus, sinon ils vont rester entiers dans le biscuit. Encore. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre une température précise. Hein. C'est vraiment juste qu'il soit fondu. Voilà. Okay. Généralement, on va être aux alentours des 45 degrés. On ne va pas monter à 60 ou 70, ça non. Donc là, ça va assez vite. La fin de la fonte d'un chocolat est assez rapide vers la fin. Voilà, toi, on n'a plus du tout de morceaux. Et là, je vais pouvoir donc rajouter mon chocolat blanc dans mon sablé breton. Et ça va permettre du coup d'imperméabiliser aussi le biscuit, c'est ça ? Mais ça va amener un petit peu de croustillant. À l'entremets, parce qu'il n'y a rien d'autre de croustillant à l'intérieur, donc c'est toujours bien d'avoir un peu de mâche. Et ça va nous faire une base solide qui va être déjà bonne à manger et qui va être bien pour prendre après l'entremets, le servir, sans qu'il soit trop mou, qu'il se casse de tous les côtés. Et là, par contre, quand je fais mon mélange, j'écrase bien pour bien imprégner tout le biscuit de chocolat fondu. Voilà, c'est là que je disais que quand on fait le mélange, le biscuit continue un petit peu à se briser. Ouais. Allez, on a des petits coucous aussi d'Italie. Donc, buonasera. Donc, voilà, Anne Soultrin qui nous dit qu'elle nous fait un petit coucou d'Italie. Donc, on a beaucoup de monde qui nous regarde d'un peu partout sur la planète. Donc, merci aussi de nous suivre où que vous soyez et d'être fidèles aussi. Voilà. Ils ont de très bonnes pâtisseries d'ailleurs en Italie. Très, très bonnes. Ah, moi, je suis fan de cannoli, donc les cannoli siciliani, c'est une de mes pâtisseries préférées. Donc, on mange très bien en Italie. Et malgré tout, ils nous suivent, donc ça veut dire que... Gourmande. Bah oui. Donc, j'ai mis mon biscuit reconstitué entre deux papiers. Voilà, et là, je vais l'étaler. Et je vais aller donc jusqu'à l'épaisseur de mes réglettes, qui est de 3 mm à peu près. Voilà, et là, en abaissant au rouleau, en fait, j'écrase encore un petit peu le biscuit. Mais là, je compacte vraiment le biscuit et je veux quelque chose de vraiment lisse. Voilà, si le papier venait à froisser, c'est parti, mais s'il venait à froisser, vous le décollez, vous le retendez et vous le recollez et vous abaissez à nouveau.
Donc on vient abaisser et écraser un petit peu. Oui. Du coup, le... Oui, tu viens jusqu'à l'épaisseur des réglettes. Voilà, et à un moment donné, ben, on ne peut plus abaisser parce qu'on est arrivé au maximum. Alors on évite de faire sortir le biscuit par les côtés, bien sûr. Donc on joue sur la largeur et la longueur, vraiment pour l'étaler comme il faut. Alors, je vais dire, on vous reconnaît tous, Maïté, Eric, Sabine, on vous voit, et merci aussi à vous aussi. Donc, certains nous suivent depuis les rencontres avec les chefs où on faisait un peu plus de cuisine. Donc oui, c'est vrai, ça commence à faire de nombreuses années et vous êtes toujours là. Et on espère qu'on sera aussi là avec vous pendant de très nombreuses années, évidemment. Oui, on n'a pas l'intention d'arrêter. Oui. Et puis Sabine, si je ne me trompe pas, elle avait gagné un délo à un de nos jeux concours aussi. Donc, vous voyez comme quoi la fidélité peut être aussi récompensée. Voilà, donc le biscuit est prêt. Donc, si on enlève un petit peu, on a ça. Et là, vous allez le mettre dans le frigo. De façon à ce que le biscuit se solidifie. Allez. Après le sablé, nous allons commencer notre insert. Donc, tu vas me ramener, s'il te plaît, Nina. Alors, pardon, chef, j'ai pas entendu. Je vous rapporte quoi? Attends, je cherche mon cadre. Il me faudrait un... Je pensais l'avoir mis par là. Un cadre inox? Amène-moi le confit citron, s'il te plaît. Oui. Et je vais aller chercher le cadre. Que je n'ai pas là. Voilà, donc le lemon curd est encore souple. Tiens, pendant que je vais aller chercher mon... C'est celui-là ou la violette? Mon canne, non, c'est pas celui-là. Ah, loupé. Mais reste là, c'est pas grave. Voilà, je te laisse avec nos internautes, je reviens tout de suite. Ok, ok. Alors, Donc, on a d'autres questions aussi. Donc, on n'a pas le bâton qui nous demande. Alors, si la ganache au chocolat de Tanzanie de chez Cacao Barry, elle se met à grainer en séparant la graisse du chocolat, comment se fait-il? Mais écoutez, dès que Chef Yves revient, je lui pose la question. Je suis là. Voilà. Eh bien, il est là. J'arrive. Bon, en attendant, je vous rappelle que la recette sera visible dès, en replay sur YouTube dès la fin de cette recette, en live. Et vous pourrez la réaliser pas à pas avec la recette illustrée aussi sur notre site. Donc, Paul Baton nous demandait pourquoi quand il fait une ganache au chocolat Tanzanie de chez Barry, elle se met à grainer en séparant la matière grasse du chocolat. Quand on fait une ganache avec le Tanzanie? Oui. Bon, ça vient pas du Tanzanie. Ça... Peut-être que votre... Donc déjà, qui dit ganache dit chocolat plus crème. Oui. Et le mélange graines. J'ai pas de raison à la rigueur, comme ça. Envoyez-nous, donc si vous pouvez, donc via les questions sur les recettes ou sur les ingrédients, ou par mail, nous envoyer une petite photo, si vous en avez une, pour qu'on voit un petit peu ce que vous avez obtenu, pour pouvoir vous répondre au mieux. Oui, voilà. Vous pouvez envoyer des photos. Également, plutôt que de passer par la messagerie, si vous n'avez pas de compte client sur le site, vous pouvez passer par mail sur info@meilleurduchef.com. Ouais. C'est moi qui reçois les mails et donc je peux tout à fait vous répondre à vos questions et joignez des photos, bien sûr. Et soyez explicite dans vos demandes, parce que des fois, c'est très sommaire et ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis en train d'obturer en fait un cadre qui fait 16 par 16 cm de côté. Donc, j'obture avec un papier film que je tends. Ce n'est pas très grave si le papier film n'est pas très tendu. Mais essayez quand même de le tendre au maximum. Et vous mettez donc votre cadre sur une plaque à pâtisserie, avec le côté obturé, bien sûr, dessous. Voilà, ça vous laissez de côté. On va mettre un papier entre. Voilà, comme ça on voit au moins les petits trous de la plaque et on verra mieux ce qu'on y fait. On va terminer notre mousse lemon curd. Donc le lemon curd, il est là, il est froid. Froid à température ambiante, il n'est pas gélifié, il n'est pas solidifié du tout. Et on va donc monter la crème. Tu vas nous chercher les 70 grammes de crème. Ne te trompe pas de cuve. Avec un fouet, s'il te plaît. Et donc on va monter cette crème qu'on va mélanger avec
donc ce lemon curd. Donc le biscuit arrive en fin de cuisson, voilà. On va laisser 2 minutes de plus. Et un bol, s'il te plaît, ou un cul-de-pied. Oui. Merci. Donc la crème, on a une quantité vraiment très petite. Cette crème nous permet de transformer le lemon curd en mousse, mais on en rajoute quand même assez peu. Comme on a une quantité très petite, on va juste dégrafer le fouet de façon à ce qu'il descende légèrement dans la cuve et que ça foisonne beaucoup mieux la crème. Merci. Et pendant ce temps, je vais débarrasser donc mon lemon curd dans le cul de poule pour faire le mélange, le dernier mélange avec la crème fouettée. C'était très important de laisser refroidir ce lemon curd parce que si on avait incorporé la crème fouettée de suite après l'avoir cuit, ben la crème serait diluée, en fait elle aurait fondu, elle se serait liquéfiée. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc pour donner une info, la température du lemon curd actuellement là est à 20 degrés. Donc c'est une température vraiment ambiante. Il ne faudrait pas que ça refroidisse plus parce que la gélatine commencerait à jouer son rôle. Le chocolat également, le cacao commencerait à se raffermir. Donc on va rajouter cette crème et ensuite on va mettre la mousse lemon curd dans le fond de notre cadre ici inox sur environ 1 cm d'épaisseur. Et on va bien l'égaliser pour avoir une épaisseur vraiment très régulière. Alors, on a Candy de Bretagne qui nous demande, donc il vous remercie pour toutes les recettes. Et petite requête pour l'été prochain, pourriez-vous nous montrer des recettes de crème glacée avec votre stabilisateur? Donc c'est noté, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, on va essayer en tout cas. Voilà. C'est pas toujours évident parce que c'est des recettes un petit peu délicates. Du fait qu'il fasse chaud, c'est de la glace. Ouais. Si on peut, on va le faire. Donc, le biscuit breton, le sablé breton, voilà, il est cuit. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, vous le laissez refroidir avant de repeser donc les 100 grammes nécessaires à la recette et de faire le biscuit qu'on vient de réaliser il y a quelques minutes. Je reviens ici sur la mousse lemon curd. La crème liquide est foisonnée, donc elle est montée, c'est-à-dire on incorpore de l'air. Mais elle va être foisonnée, mais pas trop fermement. On va chercher à avoir une crème quand même souple. Donc attention à ne pas faire une crème trop montée, voire même qui déborde un petit peu sur le commencement du beurre, tu vois. Et là, on cherche pas du tout à faire ça. On rappelle la dimension du cadre, s'il vous plaît, chef Philippe. Alors, on est sur du 14 ou 16. J'ai un doute. Alors, 16. 16, voilà. Bon, 16. Et CC nous dit, j'ai acheté 2 cadres dans votre boutique 20 par 20, est-ce que ça pourrait convenir? Oui. N'achetez pas spécialement un cadre pour la recette. Vous allez avoir assez de préparation même pour un cadre en 20 par 20, sans avoir une épaisseur qui va vraiment réduire. Parce que je vais peut-être pas tout mettre non plus. Donc l'excédent pourra aller dans du 20 par 20. Très bien. Donc là, tu vois, on voit les stries du fouet qui commencent à se dessiner sur la crème. Ouais. Donc c'est que le foisonnement commence à bien se faire et on ne va pas aller trop loin. Donc ça, c'est déjà un premier repère. Là, on est à 4, c'est ça à peu près. Là, je suis à mi-vitesse, oui. Voilà, et là, je vais m'arrêter. Donc j'ai une crème très souple. Je vais garder le fouet pour tout à l'heure, j'en aurai besoin à nouveau. Donc on est sur une crème très souple. Si je penche la cuve, mais la crème, elle coule. C'est plus de la crème liquide, c'est beaucoup plus crémeux quand même. Beaucoup plus épais. Et je vais venir rajouter donc cette crème au lemon curd. On peut le faire en une fois ou en deux fois. Vu la quantité, je vais le faire en une fois. Voilà. Et là, je vais faire mon mélange. Donc là, je vais assez vite parce que je rajoute un produit froid dans une préparation qui contient et du chocolat et de la gélatine. Donc il faut que le mélange se fasse sans se solidifier sous le contact du froid. Donc je suis assez rapide. Et ensuite, je vais venir donc verser cette mousse lemon curd dans mon cercle.
Une très jolie couleur. Hein. Qui est un cadre d'ailleurs. Ouais. C'est l'habitude. Oui, mais on appelle ça cercle parce que c'est un moule à gâteau. Mais c'est une déformation. On se trompe souvent. Et ensuite, alors, sur environ 1 cm, et ensuite on vient bien mettre donc ce limon de curd sur une épaisseur régulière. Tu vois, il m'en reste un tout petit peu dans la cuve. Donc si la personne qui a un moule en 20 par 20, ça ira très bien. Voilà, on essaie d'égaliser comme ceci à la main. Et ensuite, avec vous prenez la plaque et le cercle, faites bien tenir. Et vous tapez comme ceci sur le plan de travail, vraiment pour égaliser. Voilà, on va couvrir, on va le placer donc au congélateur. Et Nina, tu vas en avoir un autre qui est prêt dans le congélateur. Tout à fait. Que tu vas aller me chercher, s'il te plaît. Hop. Me ramener. Et là, on va y mettre donc notre confit de citron que tu m'avais ramené déjà tout à l'heure, qui est ici. On va juste retirer le papier film. Je vous avais promis que rien ne collerait au papier. Voilà, vous en avez la preuve une fois qu'il est gélifié. On va juste le rendre souple en le fouettant. Alors, au fouet, on mélange bien. Voilà, on mélange de façon à avoir quelque chose de bien lisse. Dans le limon de curd va avoir un goût de citron tout doux. Et le confit va amener du peps. Merci. De rien. Donc je retire le papier du dessus, voilà. Et je vais venir donc verser mon confit de citron sur le dessus en fine couche. Parce qu'il y a un peu de papier qui rentre à l'intérieur, vous le ressortez. Donc le limon de curd est congelé. Et là, je viens verser mon confit. Et je vais donc l'étaler. Je retrouve ma spatule. L'étaler donc finement et régulièrement. Bon, l'épaisseur de confit est beaucoup plus fine que l'épaisseur de limon de cœur, bien sûr, parce que c'est quand même plus acide et plus fort en goût. Mais encore une fois, la dégustation, si vous prenez tous les éléments en même temps, vous n'allez pas avoir le choc de l'acidité qui pourrait en rebuter plus d'un. Bon, moi, personnellement, j'aime ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, Aude nous demande, pensez-vous que je puisse garnir des macarons avec votre lemon curd et le confit au centre? Oui, en le laissant, peut-être en le laissant à l'état lemon curd sans la crème fouettée, que ce soit plus épais. Mmh. Et on le laisse un peu plus refroidir. Donc il faut vraiment surveiller la gélification. Et dès qu'il commence à avoir la bonne texture, c'est là qu'il faut le pocher et le mettre entre les macarons. D'accord. Entre les deux coques à macarons. Donc oui, ça pourrait le faire. Voilà, donc on a quelque chose de vraiment régulier, le plus possible. Là-dessus, on va venir emporte-piécer, en fait, quand ça sera congelé, ça, en forme d'ovale, en fait, avec ce petit emporte-pièce. On va venir emporte-piécer, donc, des formes, ça, comme calisson, en fait, pour pouvoir adapter l'insert à la forme de notre moule. Très bien. Donc, en l'état, on refilme et on le passe au congélateur. Et là, on peut aller vraiment appliquer le film au contact du confit pour bien protéger le produit. Ah, tiens. Trop de, on va dire, de motivation, là. Tu le mets dans le congélateur, hein? Oui. Si tu as de la place. Je vous apporte l'autre ou pas encore? Comment? J'apporte l'autre? Oui, tu peux. Alors, j'ai déjà un insert qui est prêt, donc ce qu'on vient de réaliser, mais qui est entièrement congelé. On va vérifier la texture qu'il a, s'il faut pouvoir le découper avec donc cet emporte-pièce,
qui n'est autre qu'un cercle à calisson. Donc il n'a pas de bord tranchant. Et pour ne pas se faire mal à la main, on va s'aider d'un torchon pour vraiment presser avec la paume de la main. On va prendre un petit torchon. L'aiguina va revenir. Et on va découper donc 8 inserts qu'on remettra au congélateur. Ils seront prêts pour le montage de l'entremets. On se demandait où tu étais parti. J'ai ordonné un petit peu parce que pour pouvoir sortir celui-ci, du coup. Voilà, on retire le papier du dessus, délicatement. Voilà, on a souvent, ça arrive, ça c'est un petit conseil, le papier qui se déchire quand on sort du congélateur. Donc quand vous retirez un papier film qui était au contact de l'aliment, vérifiez qu'il ressorte entier et qu'il n'y ait pas des morceaux de plastique qui restent en surface. Voilà, donc on va retirer, on va essayer de décoller ça. Il n'y a pas de raison qu'il me résiste. Il y a un papier, voilà, comme ceci. Je vais retirer le papier film du dessous également. Voilà. On va mettre un papier sulfurisé comme protection. Et là, je vais pouvoir donc le démouler assez facilement. Sinon, on réchauffe légèrement avec les doigts. Le simple passage des doigts suffit. Ça va réchauffer suffisamment pour pouvoir extraire en fait l'insert. Voilà. Parfait. Et là, donc, avec mon emporte-pièce, je vais venir découper des formes. Alors, aidez-vous de prendre un torchon pour ne pas vous faire mal à la main. Et en pressant, on découpe. Donc, on va venir découper, du coup, 8... 8, ouais. 8 inserts. OK. Il va nous rester de l'insert. Ça nous permet de faire une seconde de tournée. Vous conservez l'insert au congélateur. Et puis le week-end suivant ou le lendemain, si vous avez aimé, vous pouvez en refaire. Donc 5, 6, 6. Alors si c'était stocké dans votre congélateur qui est à moins 18, moins 20 degrés, ça se découpe assez facilement. Là, c'est le cas. À des températures beaucoup plus froides, genre surgélateur, là, il va falloir quand même laisser un petit peu revenir à température pour pouvoir faire le découpage, sinon vous allez avoir du mal à la main. Donc on a les 8, on les remet au congélateur s'il te plaît. Oui. Pour ne pas qu'ils fondent. Et on va poursuivre avec la mousse ivoire. Donc maintenant, c'est la dernière préparation de notre recette, c'est la mousse ivoire, c'est-à-dire on va utiliser le chocolat blanc donc pour faire une mousse blanche. Alors, je débarrasse un petit peu. Tu peux le laisser là. Sure. Okay. T'embête pas. Et pour la mousse, il nous faut donc de la crème. Et il me faudra la plaque. Alors, il faut du citron. Hop. Du chocolat blanc, une masse de gélatine, une cuillère à soupe de bergamote en sirop et de la crème. Alors, la crème, elle est au frigo, on va la laisser. Il y a deux pesées de crème en fait, une petite qui est ici et une plus grosse qui est donc dans le frigo, qu'on laisse dans le frigo. Alors, je vais prendre une casserole que j'ai gardée ici. Je vais juste rincer rapidement. Combien de temps peut-on le garder au congélateur, l'insert ? Oh, plusieurs jours, il y a même plusieurs semaines. Il y a pas de... Le tout, c'est de bien l'emballer, si tu veux.
de bien le protéger. Il ne faut pas le laisser comme ça à l'air libre. Il faut bien l'envelopper de papier film et puis il va rester dans le congélateur sans problème. On va faire chauffer la crème. C'est une toute petite quantité. Donc on prend une toute petite casserole. Hop. Attends, je commence à être en manque d'ustensiles. Alors, donc, comme vous avez dit, Chafip, une fois que vous avez en porte-pièce ce qui restait, on peut garder ce qui reste, le refilmer et le remettre au congélateur pour d'autres fois. Ou alors, vous pouvez faire profiter au petit moment de faire des fraises. On peut faire des petites verrines ou des petits desserts rapides avec les restes. Puis vu qu'il va rester un petit peu de biscuits quelque part, voilà. On met des débris de biscuits ou des débris de biscuits reconstitués. Tu verras qu'on va tailler aussi les petits bouts de biscuits pour mettre au fond de l'entremets. Et il va en rester, donc ça on peut le casser avec les doigts et puis faire des petits desserts sympathiques. Donc on va faire chauffer la crème. On laisse une quantité très petite. On va prendre un récipient, s'il te plaît, Nina. Oui. Soit en verre, soit en plastique. Je vais y rajouter un zeste. Dans le citron, donc on met du citron partout. Hop, il est encore vivant ce citron. Voilà, environ un demi-zeste de citron. Voilà, je mélange bien. Merci. On va mettre le chocolat au fond. On va prendre le sirop, je vais pouvoir le rajouter quand le mélange sera fait. Voilà, on va jusqu'à l'ébullition. Donc, comme il y a peu de quantité, on reste bien dessus. On ne laisse pas réduire le mélange. Et on va verser donc cette crème sur nos pistoles, qui elles aussi vont fondre avec la chaleur de la crème. Donc c'est important que la crème soit bien chaude quand on la verse. Voilà, l'ébullition est là, donc je sors ma casserole, je verse ma crème, je viens tout récupérer, surtout. Voilà, et je secoue comme ceci. Voilà, juste pour que les pistoles soient bien immergées, je rajoute, tant que c'est encore chaud, ma masse de gélatine. Si vous avez peur que le mélange ne passe pas bien parce que la crème est un peu refroidie, vous pouvez passer le petit pot de masse de gélatine dans le four micro-ondes pour la faire fondre et vous la rajoutez fondue et ensuite vous mélangez comme ceci. Donc là tout se mélange, le chocolat, la crème, la gélatine qui fond pour obtenir une masse donc bien lisse au final. Là je vais y rajouter mon sirop de bergamote. Pour ceux qui l'utilisent. Si vous n'en avez pas, que vous ne voulez pas le mettre, vous supprimez donc juste cet ingrédient. Ça sera tout de même très bon. Voilà, donc une cuillère à soupe. Et je mélange. Voilà, on va laisser refroidir. Ça va aller assez vite. On est déjà à 33 degrés, donc c'est pas chaud du tout, c'est à peine tiède. L'important, c'est que le mélange soit vraiment lisse, qu'il n'y ait pas de morceaux de chocolat qui soient encore visibles. Et là-dedans, on va rajouter donc notre crème fouettée. On va nous chercher la crème fouettée, s'il te plaît, qui est dans le frigo. Qu'on va monter au batteur, comme tout à l'heure. Surtout une crème fouettée pas trop ferme, pour avoir une mousse au chocolat qui soit très souple et qui vient bien épouser en fait, tous les reliefs de l'empreinte du moule. Ça nous évitera en fait d'avoir des bulles d'air au démoulage. Là, je vais récupérer le fouet qu'on a utilisé tout à l'heure. Merci. Alors, peut-on utiliser de la gélatine en feuilles? Et si oui, combien? Oui, les quantités sont les mêmes, à condition que le bloom soit le même. On est sur 200-210 blooms. Donc, s'il me faut 4 g de gélatine pour la recette, c'est un exemple, ce n'est pas la réalité, il vous faudra 2 feuilles de gélatine, sachant qu'une feuille fait 2 g. Très
très bien. Voilà. Par contre, le procédé est un petit peu différent. Dans la gélatine en poudre, on a une quantité d'eau qu'on appelle eau d'hydratation, qui sert vraiment à hydrater cette gélatine. Vous allez l'hydrater dans un grand bol d'eau froide. J'insiste bien sur le terme froid, eau froide et non pas eau tempérée ou eau tiède, de façon à ce que la gélatine se ramollisse. Vous allez mettre les feuilles de gélatine dans l'eau froide, une à une. Si vous avez une quantité de recettes, une masse de préparation à faire qui est assez conséquente, qu'il vous faut, imaginons, 10 feuilles de gélatine dans la préparation, ce n'est pas le cas là ce soir, mais c'est un exemple pour vous expliquer, vous n'allez pas mettre les 10 feuilles dans l'eau, vous allez les mettre, les 10, mais une à une, de façon à ce qu'il y ait bien de l'eau qui passe entre chacune des feuilles. Sinon, vous allez avoir le cœur des feuilles qui vont rester sèches et ça ne va jamais s'hydrater. Et ensuite, vous laissez donc 5-10 minutes, et au bout de 5-10 minutes, vous prenez vos feuilles qui doivent rester entières. Si l'eau était bien froide, elles ne vont pas se défaire. Si l'eau était tiède, elles vont fondre et vous allez en fait ne plus les avoir, vos feuilles. Et vous les égouttez. Vous pouvez prendre un sopalin dans la main, poser la feuille juste pour retirer l'excédent d'eau et incorporer donc vos feuilles hydratées dans la préparation chaude. Très bien, merci. Voilà, c'est la même chose, mais c'est juste la technique d'application de la gélatine qui est un petit peu différente. Donc, on monte la crème. Toujours à vitesse moyenne. Ici, je mélange pour que ça refroidisse un petit peu. On est à 30 degrés, donc on est bien. Et tu vas aller me chercher pendant ce temps le biscuit reconstitué, s'il te plaît. Alors, on a une forme de moule, les demi-citrons, c'est une forme un peu ovale. Et comme je n'ai pas trouvé d'emporte-pièce adapté, j'ai pris un petit cercle inox de 4 cm que j'ai très légèrement aplati pour en faire un petit ovale dont je vous montre. Voilà, je me le suis créé moi-même. Et avec ça, on va venir donc tailler les fonds de nos entremets. Alors pendant qu'on fait ça, on va garder un œil sur la crème. Voilà, je retire donc mon papier du dessus. Ça, c'était au frigo, hein, pas au congélateur. Et on va venir tailler donc. Je vais prendre également le torchon pour ne pas me faire mal à la main. Voilà. Et on vient tailler des petits fonds de biscuits. Donc si c'est un peu froid, donc ça se fendit, c'est pas très grave. Vous pouvez le laisser revenir un petit peu à la maison pendant 10 minutes. Ça revient pas à température pour éviter que ça se fendille. Bon, nous, on n'a pas le temps, donc on va continuer. Mais on a assez de matière pour en tirer 8. Donc on a la crème qui commence à bien foisonner. On voit du coup les traces du fouet, comme vous avez dit précédemment. J'ai un œil à droite et l'autre là-dessus. Du coup, je commente. Qu'est-ce qu'il y a? Je commente en même temps parce que les gens ne le voient pas. Donc. Oui, oui. Et voilà, et 8. Voilà, je suis la Nelson Montfort de la pâtisserie. Bientôt les JO, je suis dans l'hôtel. Voilà, donc on en aura besoin, on peut les laisser ici sur le plan de travail. On a les 8. Combien font-ils de diamètre vos petits cercles? Alors, j'ai expliqué au début, j'ai pris un petit cercle inox de 4 cm que j'ai très légèrement aplati parce que je n'ai pas trouvé d'emporte-pièce vraiment adapté au moule citron, de façon à pouvoir faire la forme idéale qui rentre dans le moule. Très bien. Voilà, donc 4 cm légèrement aplati en forme ovale. Vous avez juste à le présenter sur le moule et vous allez vite voir à la maison ça passe ou non. Donc ma crème. Là, on arrive à la fin, il n'y aura plus que le montage à faire et ensuite la finition. Donc crème souple. Encore une fois, je vous montre. Très important pour avoir une mousse chocolat blanc qui sera souple. Là, je vais faire le mélange en deux fois.
Si la préparation était encore un tout petit peu tiède, ce n'est pas le cas, elle était à 30 degrés, mais je fais un premier mélange. Ça équilibre en fait les températures entre ma crème qui est froide et ma masse au chocolat blanc qui est tempérée, on va dire. Et ensuite, je rajoute le restant. Voilà, comme ceci. On vient toujours bien racler le récipient, bien tout récupérer pour ne pas perdre de matière, ne pas modifier les proportions également. Si on en laisse la moitié dans le récipient, ben, notre recette est faussée. Et on a la quantité de mousse chocolat blanc qu'il nous faut. Voilà. J'ai l'impression de te pousser. Ne vous inquiétez pas. Approche-toi ici. Je m'adapte. Voilà, je vais mettre donc cette mousse au chocolat dans une poche pâtissière qui va me permettre de faire un pochage propre. Et on ne sort vraiment le moule avec la gelée de citron qui est au fond. Rappelez-vous, on l'a fait en tout début de recette, qu'au dernier moment, lorsqu'on a vraiment tous les éléments sous la main. Donc tu vas aller me chercher, s'il te plaît, les inserts. Oui. Pour vraiment être prêt pour procéder au montage. Sur là, on va assembler différents éléments. Voilà, donc ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Nina va me ramener donc les inserts. Et en dernier lieu, elle va me ramener donc le moule avec la gelée de citron qui est tout au fond et qui est congelée. Hop. Et maintenant, tu m'amènes le moule. Merci. Voilà, je me mets tous les éléments ici en face de moi. On va faire comme ceci, comme ça vous allez un petit peu les voir à l'écran avec la vue du dessus. Merci. De rien. Alors voilà, j'ai ici ma gelée de citron qui est congelée, on le voit au fond. Donc la préparation est devenue opaque, ce qui est tout à fait normal. Et à la décongélation, ça va redevenir translucide. Si j'ai eu un débordement, donc vraiment dans les coins, je peux retirer à ce moment-là avec soit un pic en bois, soit une pointe de couteau, la petite goutte qui a débordé et qui va faire que ça va me gâcher la présentation finale. Donc ça, soyez vigilants de bien regarder à l'intérieur et d'être bien sûr que vraiment il n'y ait pas de gelée de citron qui soit passée dans toutes les rainures autour. Sinon, la bordure de citron ne va pas être jolie. La bordure de citron, je vous montre ici pour vous faire comprendre, c'est ici, là. Toute cette bordure, là, aux alentours, autour, si elle n'est pas vide à ce stade du remplissage, mais vous n'aurez pas un citron qui sera net. Alors, la crème. On va venir donc pocher rapidement la mousse chocolat blanc. J'insiste bien pour que ça rentre dans la rainure, donc je fais bien le tour de l'empreinte. Mais on ne remplit pas jusqu'en haut. Hein. Non, on ne remplit pas jusqu'en haut. Et je ne remplis pas au centre, toi. Je ne mets pas au centre et je presse pour que le remplissage se fasse. Non, je fais vraiment le tour. Parce qu'il y a la rainure du tour qui doit se remplir. Et si je ne passe pas dessus correctement, j'aurai un problème de remplissage. C'est quasi sûr. Ensuite, je viens mettre mon insert. Donc je le mets et je l'enfonce presque au maximum. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, l'insert, il ne faut pas qu'il soit trop épais, sinon il va déborder. Ce n'est pas le but. Donc il y a la partie mousse limon de cœur qui est dessous et la partie gelée de citron qui est dessus.
confit de citron, terme exact, voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de mousse chocolat blanc dessus. Voilà. Alors, on peut taper comme ceci pour bien faire descendre et bien faire rentrer le chocolat dans tous les creux, dans tous les reliefs du moule. Donc, ça déborde très légèrement, mais ça, c'est pas grave. Et là, on va venir mettre notre petit biscuit. Et là, on va l'enfoncer jusqu'à faire remonter en fait tout l'excédent de mousse chocolat blanc qu'on va retirer délicatement avec la spatule. Et on va pouvoir mettre ça ensuite au congélateur. Voilà. Le fait de presser, on est sûr d'éliminer en fait toutes les bulles qui peuvent rester dedans, s'il y a des bulles d'air qui sont restées. Donc on fait pression et l'excédent de mousse comble les vides, s'il y a du vide. Voilà, comme ceci. Maintenant, avec mon petite spatule, je vais venir retirer délicatement l'excédent de mousse. Voilà. On essaie de faire ça vite fait, mais bien fait quand même. C'est pas difficile. Il faut que le biscuit soit vraiment à ras du bord du moule. S'il bouge, on le remet en place. Et on rappuie un petit peu. Voilà. Tiens, je vais donner ça pour le remettre au congélateur avant que ça fonde. Et là, par-dessus, je vais mettre donc un papier film. Et là, avec la main, j'appuie bien. Et s'il y a des légers débordements, c'est pas grave du tout. On va pouvoir arranger ça lors du démoulage. Et voilà, donc on obtient ceci, que tu vas mettre, s'il te plaît, au congélateur également. Voilà, avant de procéder donc au démoulage et au flocage, on va réaliser les feuilles. Les feuilles dont je vous parlais au début de la recette, donc... C'est un tapis en silicone, voilà, qui est creusé avec la forme d'une feuille et bien sûr beaucoup d'autres motifs. Ici on est sur le modèle plume, voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique, qui est la référence GG028. Et on va préparer donc une pâte, c'est une pâte à tuiles en fait, qui va nous permettre de faire ces petites feuilles. Donc ça c'est facultatif, c'est vraiment si vous voulez le faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour vous montrer comment ça se réalise. C'est très vite fait. Donc on va mettre notre four à chauffer à 170 degrés et il nous faut donc 5 ingrédients. Récipient s'il te plaît, un saladier ou un cul de poule. Il nous faut du beurre, il nous faut du sel, il nous faut des blancs d'œufs, de la farine et du colorant vert pour faire donc le feuillage. On va faire fondre le beurre au four micro-ondes. Merci. Pendant ce temps, je vais mettre tous les autres ingrédients dans le récipient. Donc blanc d'œuf, farine, sel. J'ai surveillé mon beurre qui n'éclate pas au four, micro-ondes. On va y mettre du colorant vert. Alors ici, c'est le colorant vert royal que j'ai choisi pour faire un vert qui ressemble au vert chlorophylle. Alors, on nous demande qui sont les gourmands qui vont les manger. Et on nous dit que ça va être dévoré en un clin d'œil. Voilà. Les gourmands, c'est pour demain. Oui. Voilà. Je m'assure que tout soit vraiment fondu. Voilà, très bien. Et je vais donc verser maintenant mon beurre avec le reste des ingrédients.
Donc four 170 degrés, la cuisson elle dure 5 minutes, donc ça va très vite. Et là je mélange. Je vais obtenir une pâte, ce qu'on appelle une pâte à tuiles. Ici on est sur une pâte à tuiles non sucrée. Alors j'en fais très peu parce que pour faire une plaque il en faut très peu. C'est pas la peine d'avoir une quantité énorme. Avec une pointe de couteau, je vais venir ajouter mon colorant vert. Alors, c'est un colorant hydrosoluble en poudre. Voilà. On commence par une petite touche. A savoir que la coloration verte va s'accentuer à la cuisson. Donc ça, on va être sur un vert un peu plus foncé. Donc il vaut mieux y aller en tâtonnant. C'est pas ça, c'est que le vert que tu as là, il a l'air un peu flashy. Mais en fait, à la cuisson, ce vert, il bouge en fait. Il reste pas flashy comme ça. Mais je pars quand même sur un vert assez puissant au départ. Voilà. Donc notre pâte à tuiles est prête. Je vais plutôt prendre mon moule. Je prends ma pâte, j'en mets un petit peu sur chaque empreinte. Et là, avec une mini spatule coudée, je vais venir écraser en fait ma pâte dans toutes les rainures, toutes les aspérités du moule, et être sûr en fait d'avoir toutes les aspérités qui soient remplies. Donc d'abord, je commence par écraser. On va essayer de te mettre ici, peut-être que Clément, ça sera mieux. Là, voilà. La lanterne, voilà. On dit, je suis sûre qu'il n'y a aucun absent chez Meilleur du Chef, les lampes de main de live. Non, on est nombreux, donc en général, voilà. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait un petit bout. Oui, souvent c'est petit parce que on n'en fait pas des grosses quantités. Voilà, j'écrase bien. Je cherche vraiment à être sûr de combler toutes les aspérités. Je repasse plusieurs fois dessus. Et l'excédent, je le retire. Le plus compliqué, en fait, c'est d'être sûr d'avoir rempli toutes les rainures. Il faut bien insister. Voilà, et surtout quand on a bien rempli tout, on vient racler tout l'excédent. Il ne faut pas qu'il y ait de pâte qui reste, il ne faut pas laisser comme ça, toi. Il faut vraiment que la feuille soit bien propre, bien nue. Bien dessinée, ouais. Et alors du coup, c'est vrai qu'on voit ça comme ça, mais on se dit au démoulage, ça doit être très fragile. Eh bien non, pas du tout. Ça se démoule tout seul. Parce que la pâte va se rétracter très légèrement à la cuisson. En fait, elle va se décoller toute seule, la feuille. Elle va rester plate. Donc, si on veut donner un galbe à la feuille, il faudra bien sûr la déposer tant qu'elle est chaude sur une forme. Bon, ça peut être une gouttière à tuiles. Et si on n'a pas de gouttière à tuiles à la maison, je vais vous montrer un petit truc facile à mettre en œuvre. Là, c'est très joli, très très joli. Voilà, donc on prend soin là, c'est très important que les feuilles soient bien propres, que soient bien nettes. Voilà, comme ceci, d'accord? Tu valides? Ouais, je valide. Bon. Voilà. Dans le four, il est chaud, 170 degrés. On est toujours sur de la chaleur tournante. On met la plaque sur une plaque à pâtisserie. Voilà, comme ceci. Et c'est parti pour 5 minutes.
Alors, pour donner le galbe dont je parlais il y a quelques instants, on va prendre une feuille de papier sulfurisé. On va froisser, en fait. Donc, on va en faire une boule. Et cette feuille, ensuite, on va la rouvrir. Elle va être toute gondolée, du fait qu'elle soit tordue. Et ensuite, on va pouvoir déposer nos feuilles dessus en faisant épouser en fait la feuille, la forme du papier. Donc ici, je vais avoir un arrondi. Ici aussi, toi, je vais pouvoir avoir les feuilles qui ont un galbe et qui vont garder ce galbe. Et en refroidissant après, la feuille va garder cette forme. Il faudra attendre combien de temps après les avoir disposées sur... 2-3 minutes, ça refroidit très vite. D'accord. Donc, en attendant, je vais me préparer pour la finition. On garde ça à deux côtés, sous le coude. Ça va aller assez vite. Ça. Juste un peu de vide. Alors, sur le plan de travail, je vais protéger, ça c'est pour le flocage. Je protège avec du papier, à la maison ou peut-être avec des journaux. J'aurais pu faire avec l'édition du Sud-Ouest du jour, mais bon. Alors, le four à chaleur... Ah non, je vais y arriver, pardon. Le four à chaleur tournante, hein, oui, chef. Voilà. Oui. Pardon, Viviane. Tout ce que je fais est à chaleur tournante, de toute façon. Tout. Je bafouille un peu. Voilà, je me prépare ici. Et on va essayer de faire... Il reste 3 minutes. On va essayer de faire tout en simultané. Tu vas me chercher, s'il te plaît, les citrons? Oui. Donc, je vais prendre une plaque à pâtisserie. On va faire comme ça. Le spray velours jaune. Donc je vous le remontre. Disponible sur la boutique. Donc jaune évidemment pour le citron. Et tu vas me chercher les plaques qu'il y a au congélateur, s'il te plaît. Pardon. Alors celle-ci, on ne va pas la prendre. Elle n'est pas assez froide. Donc voilà, on sort l'entremets du congélateur. On obtient ça. On retire le papier du dessus. Et il se déchire, donc on fait attention de tout bien retirer. Voilà. Merci. C'est froid. Hein. Oui. Et deux. T'as qu'à mettre l'autre ici. Voilà, je prends deux plaques de pâtisserie qui sont bien froides. Non, elles étaient au congélateur pour éviter que mon entremets s'abîme le temps du flocage. Parce que je vais floquer en fait le dessous de l'entremets. Et il ne faut pas que le dessus s'abîme. Donc le fait qu'il reste au contact du froid, il va rester bien, bien entier. Donc je filme ma plaque à pâtisserie. Et là, je vais démouler donc mon entremets. Il faut forcer un petit peu pour décoller les bords. Et ensuite, on extrait donc le citron. On va essayer de faire ça mieux. On extrait le citron que l'on obtient, comme ceci. Et s'il y a des parties qui ont un petit peu bavé dessous, on passe le doigt. Et je le positionne comme ceci, c'est-à-dire la partie où on voit les tranches de citron au contact de la plaque froide. Donc là, il ne faut pas traîner. Il faut vraiment aller vite. Il y a 35 secondes. Faire que 4 parce que on va être pris un peu par le temps. Et 4. Tiens, tu vas me mettre ça dans le congélateur, s'il te plaît.
Donc, nos entremets sont ici. On va les laisser de côté quelques secondes. Je vérifie mes feuilles qui sont cuites. Donc, j'extrais ma plaque. Je prends mon papier froissé et j'extrais mes feuilles comme ceci. Ça se décolle tout seul. Et là, je peux les mettre en leur donnant un galbe. Vite avant qu'elles refroidissent. On peut également les laisser tout simplement plates. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, pour le démoulage, c'est pas compliqué. Ouais, c'est très facile. Voilà, mais ça, il faut le faire tant que c'est chaud, donc il faut aller très vite. Attention, c'est chaud. Voilà, ça, on va le laisser ici. Et maintenant, on arrive sur le flocage de nos entremets. Donc, nos entremets sont là, sur une plaque bien froide. Le perlé velours, ça, je le prends aussi, ici, derrière. Et je pulvérise partout. Je me mets à 20-30 cm de distance. Et j'hésite pas à en mettre surtout sur les côtés. Le fond, on s'en fiche. Voilà. Et lorsque le flocage est terminé, je prends un papier sulfurisé, je positionne dessus, je prends une plaque bien froide, comme ceci, je retourne le tout, et là, je ressors donc ma plaque, et je ressors mon papier, et j'obtiens donc mes citrons qui sont floqués. Donc on voit bien le côté jaune, qui ne sont pas abîmés, mais qui sont encore gelés. Et là qu'on peut donc mettre sur un plat, et on va les laisser dégeler comme un entremet normal, pendant 3-4 heures, tranquillement au frigo. Très bien. Donc on va prendre un petit plat, une petite assiette, Nina, s'il te plaît. Voilà, très bien. Donc c'est bien de le faire en deux temps, vous voyez, on en a fait quatre. À la maison aussi, vous en démoulez quatre, vous les floquez, vous les faites. Et les quatre autres, vous les ferez dans un second temps, plutôt que de vouloir faire les huit d'un coup et de perdre trop de temps et en fait que ça commence à dégeler. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas que le contour ici, tout le contour blanc, dégèle. Si dégèle, ça va coller à la plaque. Et la seule solution pour conserver l'entremets entier, c'est vraiment de faire cette opération de retournement une fois que le flocage est fait. Et ensuite, on peut les manipuler facilement avec la préparation qu'il y a, le biscuit reconstitué qui a comme base, l'entremets se prend très facilement et il n'y a vraiment aucune difficulté à le déplacer. Voilà, on va les mettre comme ceci. Voilà, on les dispose harmonieusement. Et lorsqu'ils seront totalement dégelés, on pourra donc y ajouter la petite feuille qui va bien. Je vais aller me chercher ceux qui sont dans le frigo. Il y en a quelques-uns qui sont déjà préparés et dégelés. Donc on obtient ceci. Alors je ne sais pas si on voit bien l'image, mais on a bien les deux tranches, les deux quartiers de citron sur le dessus. Et qui sont opaques là pour l'instant, car ils sont encore gelés. Mais après décongélation, ces quartiers de citron deviendront translucides. Que c'est de la gelée et ça sera beaucoup plus joli. Voilà, donc ici j'avais préparé en amont trois citrons sur une petite assiette qui eux sont entièrement dégelés et on voit bien sur le dessus donc le quartier de citron qui lui a récupéré sa couleur normale. Donc on va prendre nos feuilles maintenant. Et on va venir pouvoir piquer la feuille éventuellement dans l'entremet, vu qu'il est dégelé. Donc le bout du citron est souple, on va pouvoir piquer la base de la feuille
sur le citron. Voilà, le dernier citron, je ne vais pas y ajouter de feuilles parce qu'on va le prendre pour le découper et pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je vais le prendre délicatement ici, le positionner sur l'assiette. C'est ici que je peux mettre la feuille, éventuellement. Hop, comme ceci. Ça a le bout cassé, voilà. Et présentez donc votre petit citron à vos convives, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Et voilà l'intérieur avec l'insert. Alors, on est dans des couleurs très, très claires, très pastelles. Il y a le lemon curd, il y a le confit de citron et la mousse au chocolat blanc. Bon, tout ça, c'est dans les mêmes tons de couleurs. Mais on va retrouver tous les arômes de notre citron à l'intérieur. Voilà, c'était ma recette de mon entremets citron bergamote que je vous proposais de réaliser ce soir avec le moule donc Alf Limon qu'on a utilisé, que vous pouvez retrouver ici. Et également le moule pour les feuilles. Merci. Le moule plume pour les personnes que ça intéresse, que vous pouvez retrouver également sur la boutique. Voilà pour ce soir, c'est terminé. 20h27. Eh bien, on a fait un bon live. Oui. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Bien sûr, on se retrouve dans 15 jours. On va faire un mini entremets mandarine et chocolat blanc. Donc, à dans 15 jours. Bonne semaine, Nina. Bon travail. Merci. D'ici là.